Yo les mecs, c'est Nadral, si vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une vidéo, la suite de la carrière manager en Domino's League 2 avec le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait réussi enfin les gars à gagner le premier match à l'huissier de la saison face à Orléans 5-2 et on avait gagné 3-0 dans le derby de Paris face au Paris FC. Donc aujourd'hui les gars, on va jouer Le Mans à domicile et on va jouer Lorient à l'extérieur. Voilà, deux petits matchs de championnat, vous pouvez voir qu'on est quatrième à 3 points de Lens et Clermont et à 1 point de Guingamp. Donc clairement on est bien, on est bien remonté au classement. On a un Maja en feu, tout simplement. Ouais, ils vont jouer en rouge. Donc, on va y aller comme ça, les gars. On va juste faire le petit, jouer le petit Adelaouchiche qui a marqué là en premier tour de Coupe de France. Et Fulgini est blessé, c'est vrai. Fulgini est blessé, il revient de blessure. On va mettre le petit Cabral. On va aligner le petit Cabral. Tac, et Del Castillo va jouer à droite. Donc, c'est parti. Cabral et Aouchiche. Début de ce match. Let's go. Ouais, des petits centres avec Del Castillo. D'accord. Castillo et Dagba. Allez, c'est parti les gars. PSG Le Mans. Ah, vous le voyez, c'est du lourd, hein, combat vous propose. Maja, le meilleur buteur du championnat avec Avec 11 buts. ce match très très attendu, c'est le moins qu'on puisse dire. On se retrouve tout de suite Alors Le Mans les gars au en classement, je sais direct du Parc des pas Princes. du tout où ils sont, hein, vraiment. Allez au parc. Je sais pas où du tout où ils en sont les Ravi de manceaux. vous retrouver en direct du Parc des Princes. Il là, il est fringant, il est à mes côtés, Pierre Ménès bien sûr. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la rencontre de Ligue 2 que nous allons suivre ensemble. Un match comme on les aime, Pierre. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Alors, Josh Maja, 6 buts sur les 3 derniers matchs. Et oui, il est chaud les gars. Le classement, Bah, le Pierre, Mans sont pas dans la première partie de de tableau. place pour qu'on assiste à une Donc, saison vraiment je sais pas à quelle place se positionne. En tout cas, les gars, c'est super parti. du tableau. Parce qu'on voit Allez. encore pas mal d'équipes plutôt bien placées et qui peuvent prétendre au Allez, titre. Romain Del Castillo direct. Romain Del C'est Castillo, d'accord. sympa à combiner les Je vais deux. pas essayer de dribbler et Mais faire le fou dès le début attention. du match. Ça part bien, action dangereuse. Bien joué. Peut-être un Non, changement de Badiachil! direction après ce Putain, la sortie tacle de balle est mauvaise. avec un tir. Moustioko, ok. Je boule K. Del Castillo. Camara. Allez, Madi Camara avec Ah, Adil c'est dommage que Aouchiche. le favori est évident de cette Allez, confrontation. Kamavinga. Bien joué, ce ballon vers Laissez la balle Cabral. tomber. Il est encore en contact. Cabral, il va se battre. Cabral, bien joué. Il donne à Josh Je suis Maja. déçu. Maja, la frappe de Josh Maja, Il est captée par reçu par le gardien. Johan Thuram, l'ancien gardien du Havre, les gars. Bien joué, Kamavinga. Chercher l'ouverture, bien sûr. Allez, Madi Camara, il se retourne. Il a pas trop de propositions. Madi Camara, il est passé. La frappe contrée par Fofana. Elle a sauvé son camp, hein, sur cette action. Oh putain, il est passé Diarra là. Sur l'aile, on regarde pour le tour, Attention, il est bien qu'il Vardin. fasse le bon choix. Vardin, le centre. Et la J'ai mêlée Badiachil. s'éloigne avec ce dégagement. Allez, Romain Castillo. Del Castillo. Pour Josh Major. Ah, dommage. Ça va pas être un match simple, les gars, parce qu'ils ont l'air d'être assez costauds derrière. Ah, la passe n'arrivera pas à Et il y a destination. Dorian Lévesque, l'ancien joueur de l'en avant de Guingamp. Allez, Josh Maja, il a vu l'appel de Souk. Ah oui, la bonne passe. Allez, Souk. Chercher le premier poteau. Souk pour Encore. enrouler. C'est capté par Encore un Johan poteau pour Thuram, récupérer dommage. deux balles, pas de soucis. Mbappé Camara. Allez, Attention Souk, sur ce qui tente de se côté. retourner. On va rejouer à Camara. Ah, ils sont solides en défense, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour les Ah, bloquer? c'est vraiment compliqué de trouver les espaces. Ils défendent bien. Bien joué Kamavinga! La perte de balle, ok, bien joué, il l'a repris au physique. Mbappé Camara. Allez, Aouchiche avec Souk. Pour Josh Maja, il est passé Josh Maja! Oh, quelle Maja! passe! Maja! Oh, L'ouverture du quel score du score! meilleur buteur de la Nominos League 2, les Ligue 2 gars! Il a fait une petite qui photo remporte de cette groupe. équipe!
25e minute, Josh Maja, Del Castillo, Souk et Mabi Camara, la petite photo. 1-0. Un but, somme toute assez logique, hein, Pierre. Le crochet qui a fait la différence, enfin la prise de balle qui a fait la différence, et la frappe croisée. Petit filet qui trompe Yoann Thuram. Josh Maja, 12e but en Domino's League 2. Il est plus que jamais pour le moment meilleur buteur de cette Domino's League 2. Un jeu Cabral. Allez, Adilaouchiche. On peut s'appuyer sur Cabral. Cabral pour Souk, Souk pour Josh Maja, Maja, la frappe de Josh Maja, la parade de Yoann Thuram. Dommage. Et le corner à suivre, frappé par Del Castillo, il est plutôt bien frappé, la tête. Ça va revenir sur Cabral dans la surface de réparation. Cabral qui va pouvoir jouer en rentrée vers Maja, le doublé. Oh là 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 là. Il est fort, franchement les gars, il est fort. Il est vraiment fort. 36 minutes, bon là il y a un bon travail de Cabral hein, pour le coup. Et bon, la passe en retrait, la frappe qui rentre. 2-0, le doublé pour Josh Maja. Bien joué Souk. Allez Souk, peut la donner à Ouchiche, Kamavinga. Eduardo Kamavinga, vous savez quoi, il va frapper les gars. C'est contré, dommage. J'ai frappé un peu tard je pense, j'avais le temps. C'est pas grave. Si on Dorian Lévesque. Dorian Lévesque, il est passé, l'ancien Guingampais, il va pouvoir centrer. La frappe de Louis Confé, il a pas été très malin. Oulala. Heureusement pour nous, mais il a pas été très malin parce qu'il aurait pu largement contrôler. Mais bon, tant mieux pour nous. Dommage Josh. Bien joué à Ouchiche, dommage. Si on Fofana. Fofana avec Moussiti Oko, bien joué Badiachil. Allez, Boulka qui dégage ça. On s'est un peu bouffé quand même dans cette fin de première mi-temps. Allez, Aouchiche avec Eduardo Kamavinga qui peut se rappuyer sur Adil Aouchiche. Camara. Maja, Maja, j'aurais dû le donner à Aouchiche plus tôt. Ouais, d'accord. D'accord, l'autre il fait un petit sombrero tranquille quoi. Attention, Moussiti Oko. Afiti avec Aloïs Confé. Le hors-jeu lui. Il est pas hors-jeu Vardin là. Bien joué Cabral. Bien joué. Allez Cabral, la remontée de balle. Ça va siffler à mi-temps, je pense que c'est remonté, voilà. C'est fait. Mi-temps les gars, on mène 2-0 le doublé de Josh Maja. Donc voilà, vous mettrez pause hein, si vous voulez voir les scores des autres matchs. L'état du match, voilà, 8 tirs à 2, on domine totalement cette rencontre. Côté Le Mans, il n'y a pas eu une grosse occasion. Enfin, il n'y a pas eu de grosses occasions. La meilleure action, bah, tout à l'heure, c'est la reprise d'Aloïs Confé, captée par, par Massine Boulka. Je crois que c'est leur seule vraie occasion. Mais le match n'est pas terminé. Avec 2-0, ça va très vite dans le football. Et surtout dans FIFA. Attention, le centre, la tête de Moussiti Oko, la parade de Boulka, bien joué. Voilà, ça peut aller très vite. Première grosse action pour eux dans cette rencontre. Et le corner d'Aloïs Confé, la reprise, elle est contrée. Allez, Benoît Badiachil. Cherche une solution, mais il va y aller, vous savez quoi, Benoît Badiachil, les gars, il va y aller. Allez, Benoît Badiachil. Avec Adil Aouchiche pour Romain Del Castillo. Ah, c'était pour Souk. Je visais pas Maja, je visais Souk. Attention, ce ballon par-dessus, c'est bien joué. Ok. Allez, Kwasi avec Del Castillo. Il va accélérer Del Castillo. Pour Josh Maja qui talonne pour Aouchiche. Pour Souk, quand c'est mal donné de la part d'Aouchiche, mais Souk a le compte favorable. Souk, la frappe. Oh, il la met à côté. Oh non. Oh, il la met à côté, Souk. Oh non, 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 les gars, ils se foutent. Là, les gars, ils se foutent de ma gueule. C'est quoi ce raté, sérieux? Tu te fous de notre gueule, Souk, là? Oh là 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 là.
Bon allez, c'est pas grave, c'est une occasion de louper, une énorme occasion hein, de louper. Mais bon allez, c'est pas grave, allez, souk. Souk, juste derrière cette occasion justement, souk qui accélère sur cette préparation, souk. La passe en retrait pour Adil Aouchi, c'est le troisième but, le voilà. Et c'est le Titi parisien qui a marqué, comme je l'ai dit, en Coupe de France récemment. Face, je sais même plus le nom de l'équipe amateur, la valeureuse équipe amateur de R1. Et là il marque le plat du pied. 3-0 face au Mans. La passe de Souk, le plat du pied. Bien joué Adil. Je crois que c'est son deuxième but en championnat. Après, il avait marqué face à Orléans, ouais. Deuxième but pour Adil Aouchiche en championnat. 3-0. Bon, Dorian Lévesque, il est passé face à Eduardo Camavinga. Sion, Moussiti Oko, il arrive à se centrer, bien joué Kwasi. Allez Souk. Allez Maja, bien joué Maja. Et Souk avec Camara, dommage. Oulolo. Ils prennent des risques, en même temps c'est normal, ils sont menés 3-0. Ils jouent beaucoup plus haut. Je joue Camavinga. Non, je visais Camara. Si on voit Loïs qu'on fait, c'est bien joué ce ballon. Bien joué Boulka, la sortie, ça revient. Et l'arrêt de Boulka, la frappe. Ah, les buts. Ah, pour le coup, on n'a pas de chance. Pour le coup, on n'a pas de chance, les gars. Parce qu'une double parade de Boulka. Et ça revient encore sur Loïs qu'on fait. 3 buts 1, 68ème minute. Le but de l'espoir pour le Mans. Ah dommage, c'est frustrant pour Massine Boulka parce qu'il arrive à sortir une double parade. Et malheureusement derrière elle revient sur Aloïs Confé. Allez Cabral avec Camavinga. Eduardo Camavinga, il va frapper Camavinga, elle est contrée. Et ce sera une touche. Ok, c'est un changement les gars, 60, 12 minutes de jeu. Adil Aouchiche est mort. On va faire entrer le petit Amine Bassi. Et Kalimwendo devant va rentrer à la place de Josh Maja et Hugo Bonnet. Vous savez comment sortir les deux attaquants. Tac. Allez, les changements sont effectués. Ah merde. Je fais de la merde avec Kalimwendo, je voulais crocheter pour centrer. Dommage. Attention à Fiti avec Julien qui vient d'entrer en jeu, ok, touche. Bon pressing, hein, du défenseur. Avec Kwasi, avec Cabral. Cabral, il va accélérer Cabral, ouais, c'était pas du tout la bonne chose à faire. Bah si, dommage. Bien joué Amine. Ok, touche, les gars, 67ème minute de jeu, nouveau changement pour le Mans. Très doucement de Kanté. C'est un attaquant de Béziers qui a évolué l'année dernière en 2009 Ligue 2. Attention dans le couloir, il va pouvoir centrer. Il est passé. Bien joué Cabral. Ousmane Kanté, ce que le raconte Abdoulaye Kanté, il me semble. Allez, Kwasi. Avec Cabral pour Hugo Bonnet. Hugo Bonnet qui se retourne et peut la donner à Amine Bassi. Bah si, il a réussi à passer. Camavinga. Hugo Bonnet. Ah, je peux plus contourner Moussa Vuking pour aller frapper. Je joue Dagba. Allez, Dagba avec Camara pour Hugo Bonnet. Hugo Bonnet, il va pouvoir frapper Hugo Bonnet. C'est contré, ça lui revient dessus, la frappe. Ah, du pied gauche. Ah, il a eu un petit peu de réussite, elle lui est revenue dessus malheureusement. Il est, comment dire, une mauvaise frappe du gauche. 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, Bassi qui peut rejouer à Cabral. Cabral peut rejouer à Bassi dans le couloir. Bassi, il est passé à Amine Bassi, il peut rejouer à Cabral, il peut se rentrer pour Camara. Camara, et le but. Le but de Mandy Camara, 4 buts 1 les gars, 89e minute de jeu. Et je crois que son premier but de la saison à Mandy Camara, le Stéphanois. Ah, ça fait plaisir pour lui. 4 buts 1, les mecs.
Cette fois-ci, l'affaire est entendue dans cette rencontre. On va bien s'imposer. La frappe au premier poteau de Madi Camara. Il inscrit bien son premier but. C'est bien ça. 89e minute. 4-1. Hugo Bonnet qui intercepte. Hugo Bonnet, il a vu le départ de Kalimuendo. Dommage, ça ne passera pas. Ça revient. Hugo Bonnet. Hugo Bonnet, Kalimuendo. Dommage. Ok, 3 minutes d'arrêt de jeu. Oh là, la perte de balle. Ils ont un peu de chance hein, quand même parce que ils font des grosses erreurs de relance. Un peu à l'image de moi, hein, clairement. Soit dans la Karam Mönchengladbach, un peu moins cette carrière. La Karam Mönchengladbach, les gars, on a. Comment dire, on n'arrive pas à se dégager. Hein, les soucis défensifs. Mais bon, ça c'est autre chose. Allez, le coup franc. La tête, ça revient. Pas s'en prendre un avant la fin. Ok, c'est fini. Victoire. 4 buts à 1, les gars. Un doublé de Josh Maja. Un but d'Adil Aouchij et un but de Madi Camara. Donc voilà, c'est mérité. Hein. 14 tirs à 7. On a le double de leur tir. Alors, Ajaccio a battu Nancy 2-1. 2-2 entre Niort et Guingamp. 3-1 pour Clermont. 3-1 pour Sochaux. 0-0 entre Grenoble et Orléans. 1-0 pour le Paris FC. Et 2-0 pour Valenciennes contre le Stade Malherbe de Caen. Ok. Allez, compte d'après-match. Vous n'avez eu aucun mal à gagner aujourd'hui. C'est un peu. Comment dire, c'est un peu. Enfin, comment dire, c'est. Enfin, voilà. On peut faire encore mieux. Nombreuses options. Avec Fulgini. On peut faire encore mieux, je vais mettre. Pas pourquoi il me parle de Fulgini. Vous, Paris Saint-Germain, êtes invaincu en cette compétition de Minus League 2. Bah, justement, oui, on n'est pas invaincu, on a deux défaites. Et je vous le dis, les gars, il y a des questions, des fois, il y a des bugs. Bon, c'est pas grave. Pensez-vous poursuivre cette belle série? On n'est pas obsédé par ça. Je vais mettre, on est pas obsédé par ça. Avec deux buts et une victoire, Maja a été le héros du match. Une bonne performance globale. Voilà, encore bien. De rien, t'inquiète mec. Pour la petite conférence de presse, voilà. Maja auteur d'un doublé lors du match Paris Saint-Germain, Le Mans. Allez, va faire les entraînements. Est-ce qu'on a assez de temps? Oui, on a assez de temps pour faire les entraînements. Allez, tac, c'est parti, on simule tout ça, les gars. Ok, A pour Boulka, B pour Cabral, B pour Kouassi, D pour Camara et C pour Aouchij. Donc sinon, les entraînements sont plutôt bien passés. C'est parti. Le FC Lorient, let's go. On va jouer en blanc, on va les laisser en orange. Et on va y aller comme ça, on va y aller comme ça. Ouais, j'hésite. Bah, vous savez quoi, les gars? On va faire débuter notre joueur du centre de formation. Voilà, il est du centre de formation. Lui, Sanchez, on va le faire débuter. À la place de Kouassi, qu'on va faire reposer un peu. Donc voilà, les gars, Sanchez, 57 de général. Et oui, je me suis dit qu'il fallait que j'entraîne. Je n'ai pas entraîné, pas grave. On entraînera après. Voilà, les gars, c'est. Comment dire? J'ai engagé un recruteur pour un centre de formation. Et il nous a déniché ce gars qui peut jouer défenseur droit, défenseur gauche et défenseur central. Donc c'est très utile. Surtout quand t'as une défense à 3. Donc on va le faire jouer. Dans ce match, c'est parti. Salut à toutes et tous. Face au FC Lorient. Dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui, le duo Matou Menez pour vous assurer les commentaires. C'est de la Ligue 2 hein, qui est au menu aujourd'hui. Le FC Lorient affronte le Paris Saint-Germain. Ouais, les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match. Ouais, Lorient Paris Saint-Germain. Concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points. Point barre. Alors, Maja. Ouais, bah oui, hein. Bilan de compétition 55, 13 buts, projection de but 56. Oui, ils sont fous. Hein. Bon, c'est parti. Face à Lorient. Ouais, 20 000 personnes, toute ambiance à l'anglaise, avec des tribunes proches de la pelouse. Moi, je trouve que c'est chouette. Il va falloir que ce soit bon derrière notre petit Sanchez, les gars. On va y faire la passe pour le mettre en confiance. Notre petit Sanchez. Allez. Allez, ben pour Bassi, ouais, je l'ai levé, j'ai bien fait de la lever. Fulgini qui peut foncer vers le but, Fulgini, le maître du score du Paris Saint-Germain. Allez, quatrième minute, Fulgini qui revient de blessure et qui marque, les gars, dès le début de ce match. Ah bah oui, j'ai hésité, comment dire, j'ai bien fait d'appuyer sur la touche pour lober parce que je pense que sinon le ballon ne passait pas. Et Fulgini qui va inscrire son combien, tième de but. Son premier but en Dominos League 2, ah bon? C'est son premier but? Bon, je croyais avoir marqué quelques buts avec lui, mais non, pas du tout, c'est son premier but. Bon, bah ok. Bon, bah, but de Fulgini en 0 sur ses contre-attaques. Johan Wissa.
Il s'infiltre, attention. Johan Wissa, le Goff. Attention parce que. Oulala. Très bon ballon. La frappe. Oh, c'est quoi cette reprise de volée? L'orienté, le mec prêté par Rennes. C'est quoi cette frappe? Elle est magnifique. Oh, y a rien à dire, les gars. Elle est magnifique. Mais waouh! Il a mis une reprise de volée, le mec. Je vais l'avoir en ralenti parce que vraiment, elle est magnifique. Alors, Johan Hamel, ballon par-dessus. Et bam! Reprise de volée, petit filet. Ah oui, elle est magnifique sa reprise. Hein. Jonathan Armand l'orienté, pardon. Deuxième but de Domestic voilà, 2. Ah oui, il y a eu une blague sur ça quand le mec il a été prêté à côté de Lorient. Jonathan l'orienté et l'orienté. Voilà, c'est génial. Non, mais c'est une petite blague, c'est cool. Allez, Del Castillo dans le couloir. Jonathan l'orienté, justement. Jonathan l'orienté. On a vu que c'était Armand l'orienté qui revient dessus. Allez, Souk, Bassi. Ah, j'ai des. Je voulais donner à Souk trop tard. Je le Castillo, ah, dommage. Ouais, le Castillo, dommage. Ouais, bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Ce que June. Allez, faut centrer. Allez, le centre de le Castillo, bien joué vers Armin Bassi. Oh, il l'avait au-dessus. Aïe, 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 dommage. Allez, c'est pas grave, Amine, c'est pas grave. Ah, c'est dommage. Allez, bien joué, Badiachil. Allez, Amine Bassi avec Souk. Souk, oh la faute! La faute! Sur Souk. Bon, les coups francs, ils sont devant moi, Fabien Lemoine. Je peux pas le frapper directement. Allez. On va frapper ce coup franc. Allez, le Castillo! Dommage. Sans problème pour le gardien. Ok, 19 minutes de jeu, Paul Nardi, ancien gardien d'Ancien notamment, qui est passé par l'Ancien en prêt. Il y a quelques saisons de ça maintenant. Je joue Dagba. Allez, Eduardo Camavinga, Josh Maja avec Souk. Souk va peut-être la redonner à Maja, mais plus vite, Souk. La voie est libre. Sion, Johan Wissa. Johan Wissa, il est passé, le ballon qui ne sort pas. Le centre à ras de terre. Ouais, le jeu qui est signalé, ouh, ça doit être vraiment limite. Hein. Allez, Bassi, allez, Amine. Ah là là, assez rapide. De la place avec l'orienté, le centre à ras de terre, bah, je joue Dagba, allez, la remontée de balle de Colin Dagba. Les sous, que non. Oh, ça passe, oh la contre, oh la chatte, allez Fulgini, c'est deux fois le même les gars pour Fulgini. Ah oui, le gros compte favorable là, sur la passe de Souk qui revient dans les pieds de Bassi. Et c'est typiquement le même but, hein, quasiment. Bassi à la passe D et Fulgini à la finition. Et c'est quasiment le même but, la frappe croisée qui rentre pour Fulgini qui prend de vitesse encore à la défense. Ils ont vraiment des, comment dire, en défense ils sont pas rapides et du coup on en profite comme des mecs comme de la vitesse comme Fulgini. Bon, dans ce match pour le moment les gars on n'arrive pas bien à toucher Josh Maja. Mais bon, c'est pas grave, en seconde mi-temps on va réussir à le toucher, je le sens, parce que là pour le moment il a pas eu beaucoup de ballons. Comme je dis, j'arrive pas à le trouver, hein. Josh Maja. Mais bon, en seconde mi-temps ça sera mieux, je l'espère. Sylvain Marvaux, il est passé, la frappe. Pff, petit filet. C'est une occasion nette qui s'envole. Allez, Sanchez. Avec Eduardo Camavinga. Les camarades, il avait l'appel de Josh Maja. Maja, va tenter de chercher une solution. Il est passé. Josh Maja, le centre. Contré, dommage. Corner. Allez, le corner, les gars, frappé par Romain Castillo. Sanchez qui va mettre la tête à les contrer. Dommage.
Allez, Fulgini qui récupère. Le Castillo a leur jeu. Ah, je croyais qu'il était pas. C'est dommage. Avec leur chance, on appelle. C'est un hors-jeu. Madiachil avec Souk. Souk tente de se retourner, pas vraiment de solution. Ouais, une belle série de passes, là, de... Allez, bah si, avec Fulgini. Fulgini le saute à Terreau. Ouais, parfait, parfait, ce tacle, ça peut... ouais, pff, ouais, je pense qu'il va pénalty tout de même. J'ai fait un double carré pour sauter à terre. Il m'a quand même bien bousculé. Bon, je pense qu'il n'y a pas faute. Dans le dos d'Amin Bassi. Attention, Johan Wissa. Wissa qui va pouvoir centrer. Dakpa qui n'a pas pu dégager ce ballon. Sion Hamel, Pierre-Yves Hamel, le centre de l'orienté qui va sortir. Dommage, Major, dommage. Bon allez, c'est la mi-temps les gars, on mène 2 buts à 1, doublé de Fulgini, deux fois le même but pour ces deux premiers buts de la saison. Au niveau des stats, ouais, ils ont fait 2 tirs, on en a fait 5. C'est reparti. Allez, le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donnée. On rappelle que Paris Saint-Germain mène au tableau d'affichage. Bien joué Fulgini. Bien joué Fulgini, il accélère. Fulgini. Fulgini la passe en retrait pour Souk. Dommage. C'est dégagé. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Pas bien le moine. Oula, passe complètement ratée du Anwissa. Maja. Maja, il a le petit compte favorable. Il va rentrer dans la surface. Il est pris par le défenseur. Et Pierre, il nous a sorti une première période de très très haut niveau. Il a été exceptionnel, non? Attention, Sylvain Marbeau pas hors jeu aussi. Il est hors jeu. Qui est signalé. Ah, c'est dommage pour le joueur qui filait. Allez, Eduardo Camavinga. Il peut s'appuyer sur Romain Del Castillo. Souk. Avec Josh Maja. Non. Oh non, je suis dégoûté. J'ai visé Amin Bassi. Non, pourquoi il a fait une talonne de merde? Oh, je suis deg. Attention à la contre-attaque avec l'orienté. L'orienté, le centre contré. Bien joué, Sanchez et Badiachil. Allez, Souk, fais ta passe. Mais putain, mais Souk, il a aucun physique. Pourtant, il est bien baraqué comme mec. Hein. Il a aucun physique, c'est ouf. Ah, dommage, Amine. Ça va payer un jour ces pressings-là, obligé. Parce que chaque fois, on fait des gros pressings comme ça. Chaque fois, on touche la balle, on n'arrive pas à la prendre. Sur Marvo, et oui, on avait anticipé. Bien joué Dagba. Et bah si, le long ballon pour Maja. Josh Maja, il n'y a pas de faute. Del Castillo, le retour de Jérôme Ergo, et ce sera une touche. Allez, Souk, il va pouvoir centrer la tête. Capté par le Paul Nardi. Bien joué Fulgini. Allez, Bassi avec Josh Maja. Josh Maja, il rentre dans la surface d'opération. Josh Maja. Maja. La petite passe en retrait. Contré par le tacle de Le Goff Corner. Allez, changement les potes. Adil Aouchich. Bassi. Et bon, vous savez quoi, on va rester comme ça pour le moment. Allez, le corner frappé par Romain Del Castillo, il est pas mal tiré. La tête repoussé par Paul Nardi. Souk dans la surface d'opération. Souk qui va pouvoir centrer. C'est encore contré. Nouveau corner. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Sans repousser, ça va revenir sur Del Castillo. Del Castillo en retrait avec Adil Aouchich qui frappe. Le but d'Adil Aouchich qui va tout juste entrer. Mais oui. Et oui, il a marqué pas seulement lors du dernier match, et là il marque
le contrôle et tout de suite, bam, la frappe croisée de la part d'Adil Aouchiche qui va inscrire donc son troisième but en Ligue 2, 71e minute de jeu pour la première fois dans cette rencontre, les gars. On prend deux buts d'avance, on fait le break. Et ça, c'est cool. Et là, c'est pas terminé, il reste quand même 20 grosses minutes en comptant le temps additionnel. Ok, pas de soucis. Ça sera donc une sortie de but. Allez, Colin Dagba tente le long ballon. Ouais, c'est... J'ai fait n'importe quoi. Est redevenu possession des Merlus. Ah, ils sont décidés à... Attention, le fait. Ballon dans le couloir pour Johan Wissa. Il va pouvoir centrer. Il est hors jeu. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. Umut Bozok qui vient d'entrer, les gars, l'ancien Nîmois, à la place de Pierre-Yves Hamel. Et Josh Maja, bien joué, il peut lancer Souk en profondeur. Souk, il s'est fait... Il a fait un gros manqué face à Le Mans, mais cette fois-ci, il la met dedans, celle-là. 4-1, 80e. On va s'imposer, les gars, ça fait plaisir. On va tenter un truc, de mettre Kwasi. Bah, il peut jouer MDC, de toute façon, au milieu de terrain, à la place d'Eduardo Camavinga. Bon, voilà les gars, 4-1 à la 80e. Ah, Souk, ouais, alors il rate un truc impossible face à Le Mans. Celle-ci, la met dedans. Je crois que c'est son 5ème but en Ligue 2. C'est bien ça. Allez, Camavinga qui sort. On sait de quoi si au milieu de terrain. Les intentions sont claires pour cette fin de match. L'entraîneur a raison, c'est inutile de prendre des risques contre sa défense. Le long de la ligne de touche. Bien joué. Allez, Aouchiche. Allez, Kwasi va tranquillement jouer vers notre petit Sanchez. Voilà, les gars, qui a fait un match correct pour une première en professionnel. Allez, Souk, Josh Maja qui tente de se retourner. Et bien pris par la porte. Dommage. Oulala. Qu'est-ce qu'ils ont de la chance! Parce que là, ils font n'importe quoi en défense. Ils ont le compte favorable sur le mode Bozok avec le mois de la frappe. La parade de Massine Bolka. 89e minute sur cette frappe de cet ancien Stéphanois. Belle parade de notre gardien polonais. Le corner de l'orienté. Bien joué, Adil. Ça va revenir. Le fait. Il est passé. La frappe. C'est complètement manqué. Allez, 90e minute, les gars, combien y aura-t-il de temps additionnel? 3 minutes. Et Souk va peut-être jouer vers Josh Maja et ça peut peut-être passer. Non, dommage. Son Bozok, Johan Wissa encore en jeu. Ils ont été beaucoup en jeu, hein, les gars, les attaquants l'orienté dans cette rencontre. Allez, Fulgini, c'est terminé! Victoire 4 buts à 1, un doublé de Fulgini, un but d'Adil Aouchiche encore une fois, et un but de Souk contre ce beau but de l'orienté, la reprise de volée. Donc voilà, c'est parfait, 8 tirs à 4. Bah voilà, Auxerre qui gagne 2-1, Ajaccio qui gagne 2-0. Moi ce que je regardais, voilà, c'est Lens. Bien joué les Nancéens, hein. Bien joué les mecs. Ils font un partout contre Lens, ils accrochent Lens qui a été leader. Donc on va voir, on va aller voir le classement après. C'est un pari de faire jouer Fulgini, ça a payé. Un bon départ. Je vais mettre s'il a pris un bon départ en marquant ses deux premiers buts. Vous êtes invaincu en cette compétition, mais on n'est pas invaincu, frère. Pas obsédé par ça, je vais remettre. Avec deux buts et une victoire, Fulgini était le héros du match. On va mettre comme Maja tout à l'heure, une bonne performance globale. Ok. Fulgini auteur d'un doublé. Bon, voilà les gars. On va aller voir on va jouer Toulouse, on sait, en Coupe de France. En Coupe de la Ligue, pardon. Le classement, nous sommes 3ème. Et on est à un point. Ouf, c'est très sérieux. Ok, on a une journée d'avance. On a une journée d'avance sur Clermont. On a un point de retard sur Lens. Clermont qui va jouer face à qui? Ils vont jouer face à qui, les Clermontois? Leur match de retard.
L'en avant de Guingamp. Guingamp qui est... Oula, Guingamp, ils sont où? Ah non, Guingamp est quatrième, j'avais pas vu. Donc ça va être un beau match, ça va être un beau match. Donc voilà, les gars, on est bien remonté au niveau du classement. 28 buts marqués, 12 encaissés. Donc on est plutôt pas mal. Donc voilà, les gars, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. C'était Nadrax, prenez soin de vous. Ciao à tous.